Bah moi, c'est Steve Madia, que j'ai 23 ans. Je suis un des cofondateurs de Russ Agency et je suis à la fois aussi créateur de contenu sur Instagram et TikTok. Et ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on a l'agence et que je suis créateur. Donc, tout s'est lancé vraiment en même temps. Et du coup, moi, c'est Clément, pareil, cofondateur de Russ. Même âge, en fait, on est meilleurs amis de base. C'est un peu comme ça qu'on a lancé l'aventure aussi. On s'est connus bien avant. Et pareil, aussi créateur de contenu, Insta, TikTok et YouTube maintenant, depuis peu. Et puis, voilà, on bosse sur l'agence ensemble. Russ Agency, c'est en fait une agence qui accompagne les marques sur TikTok, ou en tout cas sur le format 9/16, parce qu'aujourd'hui, on a une proposition de valeur qui a beaucoup évolué, qui a été très évolutive au fil des années, enfin des mois, on va dire plutôt. En fait, au tout départ, c'était vraiment une agence TikTok, et en fait, on s'est rendu compte que ce qui avait vraiment d'intéressant avec TikTok, c'est pas la faculté qu'a TikTok en tant que réseau, c'est vraiment le format que ça a apporté, le 9/16, audiovisuel, format snack content, donc hyper rapide, l'info qui vient à nous et pas nous qui allons vers l'info. Donc c'est vraiment une agence, voilà, qui est faite pour les marques qui ont du mal à se lancer, qui connaissent pas les codes, qui ont beaucoup de mal avec cette réflexion du snack content et du format vidéo audiovisuel. Et voilà, donc on propose de la production de contenu, de la stratégie, et une forme d'accompagnement, parce que forcément, quand on part en tournage, on aide aussi un peu les employés à manier les outils, comment tourner une vidéo, etc. Donc c'est vraiment ça que fait Russ, quoi. Ah ouais, ça c'est une bonne question. Bonne question. Alors je sais pas si c'est une définition exacte, mais pour moi un entrepreneur c'est quelqu'un déjà qui, entre guillemets, arrive à se détacher du système classique qui est parcours scolaire et ensuite travaille chez une entreprise du coup, enfin dans une entreprise. Pas forcément un CDI, mais en tout cas, c'est travailler pour quelqu'un au sein d'un groupe ou d'une entité. Quelqu'un d'entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à se détacher, qui crée son propre projet. Donc, ça peut être associatif comme une entreprise à but lucratif. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui se détache un peu du système classique, qui sort, qui entreprend justement, qui met ses idées en... qui leur donne une certaine réalité, une certaine vie à ses idées. Ouais. Et voilà. Et puis après, il y a une autre forme aussi d'entrepreneur. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent dans le système classique, entre guillemets, même des gens qui sont en CDI dans des grands groupes ou dans des boîtes qui peuvent être aussi entrepreneurs. Parce qu'entrepreneur, ça se limite pas à monter sa société ou son association par soi-même. C'est aussi quelqu'un, par exemple, il y a des sportifs aussi qui sont entrepreneurs. Le fait d'être sportif, c'est aussi être un entrepreneur en vérité. Donc voilà, ça se limite pas à sortir forcément de ce système classique, mais la plupart du temps, c'est des gens qui sortent un peu du parcours classique et qui donnent une vie à leurs idées, à leurs projets. Ouais, bah historiquement, j'aimerais bien expliquer comment c'est arrivé et pourquoi ça s'appelle Tactique D, etc. Ouais. En fait, nous, on est parti d'un constat simple. Déjà, il y a une petite anecdote qui est trop bien à voir, c'est qu'on a réfléchi l'événement un mois et demi avant. Donc on l'a fait vraiment en vitesse grand V, on n'a pas calculé, on a foncé, on a eu les partenaires, on a eu de la chance aussi. Bon, je pense que le concept était là, donc ça a beaucoup aidé. Mais ouais, historiquement, qu'est-ce que c'est le Tactique Day? En fait, c'est vraiment une journée à travers laquelle les professionnels apprennent les codes de TikTok, parce que là, pour le coup, c'est un peu plus porté TikTok. Et en fait, pourquoi on est parti de ce constat? Tout simplement parce qu'on a remarqué un truc vraiment fondamental. C'est que tout le monde veut faire du business, tout le monde veut accompagner les marques, leur pricer je sais pas combien, une stratégie, machin truc. Mais en fait, il y a une genèse à avoir qui est liée à l'éducation de ce réseau. En fait, faut être vraiment éduqué au réseau, comprendre pourquoi il y a un enjeu avant de mettre des billes et de tout simplement investir dedans. Et on trouve que c'est un truc qui est super mal fait, parce que les gens, ils pensent tout de suite à faire du business parce qu'ils savent que ça marche. Mais ils prennent pas le temps en fait d'expliquer pourquoi ça marche et pourquoi c'est important. Et nous en fait, on voulait vraiment apporter un socle commun, un dénominateur commun à toutes les marques, à tous les professionnels qui sont déplacés, pour qu'ils comprennent ce que c'est déjà dans un premier temps. Et en fait, nous on a eu un petit peu cette stratégie d'y aller sans attendre quoi que ce soit. Après, bien évidemment, ça, on a montré une expertise, etc. Donc, il y a toujours des portées business derrière et des retombées business, et c'est très bien. Mais c'est vrai que nous, on a vraiment été dans un objectif de se dire, on apporte de la valeur, et c'est vraiment le but premier.
Et après, je vais laisser Clément expliquer un peu pourquoi le Tactic Day, etc. Ouais. Du coup, ceci étant dit, on s'est dit quel est le meilleur format pour qu'on puisse apporter un maximum de valeur à ces entreprises-là, pour qu'elles puissent venir et en fait ressortir à la fin de la journée en étant quasi prêtes à se lancer ou en tout cas en étant bien plus rassurées que quand elles sont arrivées. Donc, on s'est dit quel est le meilleur format. On a réfléchi à plusieurs formats et on est tombé d'accord sur une journée complète d'intervention. Donc, en fait, il y avait des interventions qu'on appelait des keynotes ou des talks qui s'enchaînaient toute la journée de 10h à 17h. Il y avait des intervenants de chez TikTok France avec qui on était co-organisateur de l'événement. D'ailleurs, ça, c'est super pour nous, c'est super pour TikTok. On a pu co-organiser ça. C'était chez WeWork aussi avec qui on a co-organisé cet événement. Donc, c'était un petit triptyque. Et donc, il y avait des intervenants de TikTok France qui venaient nous expliquer un peu les tenants et aboutissants de TikTok, les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on peut en faire, quels sont les enjeux stratégiques pour les entreprises qui y sont. Il y avait des intervenants de chez Horus. Du coup, c'était Steve et moi. On a fait des interventions un peu plus en profondeur sur comment fonctionne l'algorithme et quelle est la structure d'une vidéo virale sur TikTok. Donc, c'était des trucs un peu plus profonds, un peu plus précis. Mais du coup, c'est pour ça qu'on les a pris en main, ces sujets-là. Et il y avait aussi 3 créateurs talk. Donc, on avait des créateurs qui culminaient 8 millions d'abonnés au total. Ouais. Et donc, ces créateurs-là sont venus sur scène, ont fait une petite presse, ils se sont présentés, ils ont présenté des collaborations qu'ils avaient avec des marques. Donc, c'était tout le temps sur l'aspect professionnel et stratégique, collaboration avec les marques. Et ensuite de ça, il y avait des questions, sessions-réponses à chaque fin de keynote. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu le topo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les invités sont arrivés à 10h et sont repartis à 17h avec la tête pleine d'informations et de savoirs, de compétences, de fonctionnalités qu'ils ont vues et apprises au cours de la journée. Et on a eu que des très, très bons retours. Et puis ensuite, ça s'est fini avec un petit cocktail. Ça a rajouté une dimension networking que les gens ont particulièrement apprécié. Donc voilà ce que c'était le Tactic Day. Et après, si tu veux qu'on réponde aussi par rapport à ce qu'on a appris, vas-y, hein, je te laisse commencer. Bah, ce qu'on a appris finalement, nous, on s'est un peu jeté dans le vide. On parlait tout à l'heure du principe d'entrepreneur, c'est un peu ça, c'est ce truc, on a une idée, on calcule le risque pris, le risque encouru, est-ce que par contre ça peut nous faire gagner. Là, en l'occurrence, on a bien misé le coup parce que ça a bien fonctionné et je pense que ce que ça nous a vraiment apporté, c'est beaucoup de confiance en nous parce que c'est de la légitimité finalement. Parce que quand tu as des cinquantaines, centaines même de personnes qui se déplacent et qui te font des retours positifs, c'était vraiment unanime en plus. Donc les gens ont vraiment apprécié le concept et le format surtout, comment ça s'est déroulé. C'était pas trop long mais pas trop court. Il y avait assez de temps pour avoir de la valeur, mais c'était pas lassant. On a aussi privilégié des talks en fait qui étaient sous forme de 30 minutes avec 15 minutes de questions. Donc on laissait vraiment beaucoup de temps aux personnes, aux intervenants de poser leurs questions. Et on trouve que c'est vraiment par là qu'il y a de la valeur qui passe, tout simplement. Et je dirais, ce que ça nous a vraiment apporté, c'est beaucoup de légitimité, beaucoup de confiance. Parce qu'on se dit qu'en fait, on est vraiment reconnu. C'est vrai que nous, en tant que jeunes personnes, parce qu'on a tous les deux 23 ans, quand on se lance et qu'on est sur TikTok, etc., on est très vite catégorisé, c'est-à-dire qu'on nous voit comme les gars qui font des danses, ouais, qui sont pas sérieux, qui font des cons, alors que nous justement on a vraiment une niche en tant que créateur de contenu qui est basée sur la valeur ajoutée. On s'est toujours promis et juré de gagner des abonnés sans faire une seule trend TikTok, et c'est défi relevé d'ailleurs. Mais c'est vrai que on se rend compte que que ce soit des marques de luxe, des grands groupes ou même des plus petits, reconnaissent vraiment l'importance de TikTok et nous qualifient vraiment d'experts. Donc j'irais vraiment, moi, ce qui m'a vraiment le plus apporté, c'est cette légitimité, la confiance et l'envie de faire plus, parce que le Tactic Day, ça va être une série et on va essayer de faire de plus en plus grandiose d'édition en édition. Ouais. Et opérationnellement, c'était notre premier événement organisé, donc on a tout appris sur l'événementiel. Ouais, là, franchement. Même si c'était à petite échelle. Presta food, presta cocktail, organiser les talks, les présentations, s'assurer que le matos soit bien, les goodies. Tout ce qui concerne l'événementiel, c'était notre premier essai d'événement, d'organisateur d'événement. Donc, pour l'instant, c'est super bien passé. On croise les doigts pour que le reste continue comme ça, mais c'était un peu complexe et on a appris aussi à travailler dans le rush. Enfin bref, on a tout appris sur l'événementiel, quoi. On peut raconter quelques petites anecdotes. Ah ouais, une petite anecdote. On a une anecdote la veille où en fait, ça se passe le jeudi 17 novembre du coup. Et on a la veille, donc le mercredi 16, on est à WeWork en train de tout installer. Donc toute la journée est dédiée à ramener tout ce qui est food,
tout ce qui va être pour le networking après, donc voilà, très chronophage et tout, et hyper fatigué. Donc on est une équipe de 6-7, on a voulu vraiment tout faire tout seul, et donc finalement tout se passe pas trop mal. Et en fait on a un déclic qui est que on est censé avoir reçu les vêtements qu'on doit porter, donc qui étaient brandés Tactic Day, etc., des polos, des t-shirts, des suites et tout, et on se rend compte que c'est livré chez Clément, mais qu'on n'y est pas du tout. Ouais. Et donc on a une chance qui est que la gardienne les récupère, etc., mais vu l'heure à laquelle on avait fini, impossible de la solliciter, de l'intercepter, et le lendemain on partait à 7h du mat, donc impossible non plus le matin de... Et donc en fait on a envoyé mon petit frère qui était dispo à ce moment-là, on l'a appelé en urgence et tout. Il pleuvait, c'était un truc de fou, le temps catastrophique. Il est parti en vélo, en dérapage et tout, en 10 minutes, il a le temps d'aller intercepter les colis. Et puis, enfin voilà, c'est une belle anecdote parce qu'on trouve que c'est hyper symbolique. Et en fait, c'est surtout que les vêtements, c'est hyper important dans le sens où il y avait vraiment marqué staff derrière, tactique def, enfin tout était brandé, donc on pouvait pas se permettre d'arriver avec un polo noir simple. Enfin, ça dénotait complètement. Ouais. Et il a vraiment sauvé une belle partie de l'event. Ouais. Et trop marrant, trop bien. Ouais, mais du coup, moi, je prends souvent la parole là-dessus. Mais moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que si on a la variable d'être jeune, on a la chance encore d'être jeune. Je pense qu'il faut vraiment s'en rendre compte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en rendent compte. En fait, on a plusieurs chances quand on est jeune. Et plus on vieillit, moins on a de chance, en vérité. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut tenter. Quoi qu'il arrive, même si ça tombe à l'eau, on aura une autre chance. Si la vie nous met des coups, il faudra savoir se relever aussi. Et moi, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est tu as une idée, mets-la en place direct. Cherche pas. Mets direct ton idée. Enfin, donne une vie à ton idée. Lance ton projet et tu verras. Nous, on a lancé un premier projet qui s'est complètement cassé la gueule au tout début. C'était il y a 2 ans maintenant. Aujourd'hui, Horus, c'est beaucoup plus solide que ce premier projet. Mais je pense que si on n'avait pas eu ce premier projet, on n'aurait peut-être pas fait Horus, en tout cas pas de la même manière. Quoi. On n'aurait peut-être pas eu le succès qu'on a aujourd'hui. Enfin, succès avec des grands guillemets. Mais donc voilà, le conseil que j'ai, c'est fais, ramasse-toi, fais-toi mal et tu verras que ça finira par payer à un moment donné. Et ouais, moi, en complément, j'ai fait un petit post LinkedIn en plus, c'est marrant. Là-dessus, c'est de dire qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment oser et qu'en fait, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on imagine tout le temps qu'on passe d'un extrême à l'autre et c'est pas vrai. C'est pas vrai, enfin, sauf quand on est Steve Jobs ou quelqu'un de cette trempe, on va dire. Mais c'est pas vrai de penser qu'on passe du rien à tout et inversement. Je pense qu'il faut vraiment envisager tout de suite et être complètement à l'aise avec le fait que tu vas te lancer pour te casser la gueule, mais que en fait, ce qui compte, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Et faut avoir vraiment une logique et un mindset où on sait qu'on va se planter, mais que ce truc où tu te plantes, il te sert à grappiller des échelons et ainsi de suite. Et en fait, faut construire une réussite et faut pas s'attendre à ce que on passe de rien à tout. Et en fait, je trouve que c'est vraiment, c'est un peu utopique cette vision. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont parce qu'ils pensent que voilà, de travailler tant de temps, machin truc, ils vont pas oser, ils vont pas tester parce qu'ils ont peur de rater. Et en fait, au final, ils font rien. Et je pense qu'on perd à ne rien faire et on perd pas à se planter quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est un truc à avoir vraiment à l'esprit, c'est de se dire, c'est comme disait Clément, le variable de la jeunesse, elle est immense. Parce que quand on a encore un foyer, que finalement nous demain on se plante, on n'a pas encore toutes les responsabilités d'un adulte, de nos parents, etc. En fait, oui, ça va faire mal à l'ego, mais c'est quelque chose qui se reconstruit. Alors que demain on a une maison, faut payer un loyer, si des tu enfants. Dois, ouais, voilà, c'est là c'est capital. Mais je pense que voilà, le variable de la jeunesse, il joue beaucoup, faut en profiter. Et faut vraiment se dire, voilà, à la limite, pour se rassurer, je me laisse un an. Si je vois que ça prend pas, que ça marche pas, j'arrête et je repasse dans un format beaucoup plus classique. Mais voilà, ne pas hésiter, foncer. Et puis voilà, considérer que l'échec, c'est pas un échec, c'est une opportunité de réussir, tout simplement. Ah ouais. C'est important. Ah ouais, bah ouais. Est-ce qu'on veut les remercier ou est-ce qu'on les remercie? C'est ça. Si, moi je les remercie même dans ma vie de tous les jours, même si j'avoue que des fois je suis un peu ingrat, mais c'est involontaire. Oui, moi je les remercie, franchement,
commençant par ma famille, hein, par mes parents, même s'ils ont un peu de mal avec ce que je fais parce qu'ils comprennent pas vraiment. D'ailleurs, le Tactic Day leur a permis de comprendre un peu plus clairement ce qu'on faisait et l'ampleur de ce qu'on faisait. Donc c'est cool. Mais mes parents, ils m'ont toujours poussé, ils m'ont toujours protégé, toujours donné toutes les ressources dont j'avais besoin pour pouvoir justement entreprendre et me retrouver dans cette situation où je suis très content d'être aujourd'hui. Donc quand j'inclus ma famille, j'inclus mes amis très proches, hein. Steve, par exemple, je pourrais remercier Steve d'être là. Je le fais de temps en temps, mais c'est vrai qu'on se le fait pas assez. Merci Steve d'être là parce que bah, je pense que l'un sans l'autre, ça se pèterait la gueule tout de suite au russe. Ouais, c'est sûr. Il y a mes amis proches aussi, en dehors de Steve, qui m'ont toujours poussé, qui m'ont toujours dit que c'était cool ce que je faisais. Il y a ma copine aussi qui est un peu une force motrice au niveau de ma réussite et qui, sans qui j'aurais beaucoup de mal à continuer à travailler de manière acharnée de temps en temps. Et puis après, il y a plein de gens qui sont, entre guillemets, un peu plus écartés de notre réussite, qui sont pas là tous les jours, mais qui ont une importance capitale. Ça peut être tous les profs qu'on a eus, tous les gens qu'on a rencontrés dans le monde professionnel, tous les clients qui nous font confiance, tous ces gens qui, en gros, nous ont dit, alors qu'on était personne, je vous fais confiance. Il y en a beaucoup, je ne pourrais pas tous les remercier, tous les citer, mais ces gens-là, moi, je ne les oublie pas, et que ce soit des gens qu'on a rencontrés sur les réseaux ou même en vrai, clients, partenaires, personnes avec qui on a échangé des bons moments et tout. Franchement, c'est grâce à eux aussi qu'on en est là aujourd'hui, c'est clair. Ouais, et puis pour ma part, moi j'ai envie et je pense qu'il faut remercier effectivement toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite, qui est à mon sens un peu une réussite commune, parce qu'en vérité, ouais, d'emblée, moi Clément, c'est sûr, je le remercie tous les jours, enfin on se remercie mutuellement, et aujourd'hui, on a un intérêt commun qui contribue à notre intérêt personnel aussi, donc on s'aide vraiment dans nos projets perso et aussi en commun avec Horus et tout ce qu'on entreprend tous les deux. Mais effectivement, ouais, je pense que ça va finalement retomber un peu comme Clément, ça va être la famille qui sont beaucoup beaucoup là pour moi parce que en fait ils sont là et pour conseiller et pour épauler. Et c'est vrai que quand on est jeune et qu'on entreprend, c'est très compliqué, bah parce que bah, même les parents, pour eux, c'est dur. Ils viennent d'une génération qui est pas la nôtre. Cette notion de l'entrepreneuriat, de la freelance et tout, enfin, c'est des trucs qui sont un peu hors sol pour eux. Et pour autant, assez aveuglément, ils m'ont fait confiance, ils m'ont poussé. Moi, en plus, d'un point de vue un peu anecdotique, mais quand on a lancé Horus, j'étais encore en cours à l'école, j'étais en licence et j'ai quitté ma licence. Enfin, en fait, je l'ai terminée, je l'ai validée, mais tout juste après, alors qu'il n'y avait même pas une si grande preuve de marché, on avait un seul client, bah, j'ai tout quitté en me disant, bah, vas-y, je vais tout donner pour Horus. Et mes parents, c'est un choix qu'ils ont respecté. Et ce n'est pas le cas de tous les parents, et je sais que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué dans une autre situation. Et après, ouais, effectivement, ça va être bah, ma famille proche, donc mes parents, mon petit frère, ma copine aussi, effectivement, qui des fois nous aide un peu sur quelques opérations, qu'elle est elle-même dans la communication. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment un écosystème qui nous pousse à toujours nous améliorer, à vraiment bah, performer. Et effectivement, je pense que toutes les personnes qui ont contribué bah, à notre réussite, entre guillemets, en tant qu'agence, mais aussi en tant que créateur, je pense vraiment aussi aux marques. C'est vrai que, comme disait Clément, on n'a pas l'idée de toutes les citer et tout, mais c'est vrai que il y a des marques avec qui on travaille qui sont très très grosses, qu'on a renommées internationales, etc. Et qui, en fait, moi, je salue quand même vachement leur prise de position, de donner la chance à une toute petite agence qui vient juste d'arriver et où on se dit, bah, les gars, d'accord, ils ont des abonnés, mais ça peut se réduire qu'à ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de portée business, qui n'ont pas de portée agence. Et pourtant, ils nous ont fait confiance. Et ça, ces personnes-là, c'est important de les remercier parce qu'elles contribuent à notre réussite en tant que personne, mais aussi même financière, parce que C'est clair. bah voilà, on bosse avec elles et c'est trop important. Donc merci à toutes ces personnes-là. C'est vrai. Sur ce, merci beaucoup à vous. Bah, merci à toi. Merci à toi, c'était un plaisir. Puis l'aventure continue, quoi. Ouais, bah, du coup, tu fais désormais partie de ces personnes qu'on va remercier Bah ouais, c'est ça, de nous prochaine avoir donné vidéo. une chance.